présenter ses joueurs espagnols. En numéro 1, Bruno Cabau. En numéro 2, Jani Cabau. En numéro 3, Alvaro Viu. En numéro 4, Joseph Pacheco. Tout le monde est prêt? Hélène, quand tu veux, c'est parti pour cette rencontre, édition 2018 du grand tournoi international, la rencontre handicap des moins 21. Le temps est parfait, le premier ballon côté espagnol. On commence à circuler la balle, la défense est en place. Premier retour maison. Ça te passe, Alvaro, on joue un peu avec la défense. Alors, tant qu'il y a 0-0, on peut jouer avec la défense, après on verra le score. Et on a accéléré côté espagnol. Et la défense est venue. Revenue sur ce joueur. Cheval qui va. C'est assez rapide, hein, cheval qui devra un Bruno. Alvaro, il attaque au milieu. Fin de passe. Fin de passe, il est passé par l'intermédiaire de la tour et l'ouverture du score pour l'Espagne. Là, il se loin devant, loin derrière, se boxer côté français. Allez, priorité à la France pour ramasser ce ballon. Se présente. Voilà, il se présente, il a réussi, c'est Mathieu. Il a passé rapidement ce ballon, Loïs à nouveau. Loïs sur le côté droit, obligé de revenir. Mathieu, Alexis, pardon, Alexis. Alexis sur le côté vers Mathieu. Alexis. Pour Loïs qui tente un tir, premier ballon. Et c'est parti pour l'équipe d'Espagne qui a récupéré cette balle, qui lance sa contre-attaque. La France n'est pas en place en défense, on va essayer d'en profiter, on temporise. Hop, là, on reste en selle et on profite de ce petit écart côté français. Pour les Bleus, c'est parti, ballon saisi par la France. Ça tourne vite. Tristan sous le panier, marqué de près par la défense espagnole. Contourne cette défense, il a retrouvé Loïs. Voilà, qui va croiser peut-être, oui, avec Mathieu. Loïs à nouveau. Il va faire garder le ballon. Alexis, Tristan. Alexis à nouveau. L'on passe vers Mathieu. Loïs, Tristan. Et tu remarques. Allez, sanction immédiate et en un. Loïs, Ellington, Alexis. Voilà, ça circule vite, les trois passes sont faites rapidement. Tristan était en muscade, il se prépare, il a reçu le ballon. Mais voilà, la défense espagnole est bien revenue, bien compacte sous le panier. Voilà, qui repousse un peu nos Français dans leur ligne. Voilà, ils ne franchissent pas la ligne du milieu, revient tout de suite à l'attaque. Tristan à nouveau, passe la défense. Voilà, ça passe. Alexis à nouveau. Voilà, cette fois il préfère revenir bien loin dans son camp. Luc, la guerre les a rappelés. Et c'est recommencé. Tristan, Loïs, Alexis, Tristan, bien placé cette fois. Et oui, mais la défense espagnole revient très fortement. Et pour l'instant, on ne laisse pas passer nos attaquants français. Voilà, mais c'est pas pour cette fois, mais c'est sans doute chose remise à plus tard. Ça ne devrait pas tarder. Loïs à nouveau. Nouvelle tentative française. Et là, ici, c'est. Et c'est le premier rideau, c'est boxé. Alvaro, il n'a pas hésité à mettre le ballon directement dans le camp espagnol. On se met en place, on s'est ramassé par Nacho. On va chercher du soutien. Voilà, Alvaro, on est en fond de terrain, on organise tranquillement. On est sur une position de balle espagnole. On donne les consignes du côté de Bruno, de lancer un appel. Bruno, il temporise. On a beaucoup de sang. On essaie de se passer, de se faufiler, ça ne fonctionne pas, on revient. Transmission de la balle, Bora, le numéro 6 qui a fait son entrée sur le terrain. Bora qui cherche du soutien. Ça y est, transmet sa balle. Et c'est bien fait pour Bruno, la tentative de shoot de Nacho, et on s'est faufilé là, la défense. Longue remise en jeu. Et il arrive, c'est pas dans les mains de Mathieu, le numéro 5 français, qui se voit disputer fortement, mais il conserve le contrôle du ballon. Mathieu, il le passe à Loïs. Loïs est pour Alexis. Allez, les 4 bleus sont ensemble. Ça circule bien. Mathieu, Alexis, Mathieu.
Ça va, Laval, ça tient, ça marque. Ah oui, ce sont des actions qui font plaisir. Laval a bien circulé. Voici le premier rideau, toujours bercé, attention sur le bord du terrain, bien faire regarder les chevaux qui sortent de l'air de jeu, Nacho, on récupère la balle, c'est pendant plus pour la défense, on va rentrer tranquillement, côté espagnol, organiser cette attaque, 3 partout, au moment tout va bien, on va essayer de repasser de nouveau devant, on avait trouvé une faille dans le camp français, ouais c'est venu, c'est bien fait, la passe, ouais, c'était le bras de Loïs, c'était le bras de Loïs pour la France. Donc il est parti vite. Hey, Loïs, il est en forme, je crois, toujours. Hein, c'est musclé. L'engagement sourit du côté Alvaro parce qu'il a troisième fois de suite, il a pris l'avantage. Nacho. Ouais, on se bouscule. On essaie de récupérer la balle côté espagnol. Côté espagnol, le chrono, il est reparti, 2 minutes. On va essayer de recoller au score. Ouais, côté droit, ça ne passe pas. On est dans le structure gonflable. On a suivi de près, petit demi-tour. Oh, c'est court pour toute la embuscade. Alors, c'est un super attaque, un super but de côté espagnol. Mais voilà, les Français vont revenir maintenant. Le ballon dans les mains de. On le va de Tristan. Intervention de l'arbitre. Allez, Lorient distribue Alexis. Est-ce que l'Espagne va se saisir de ce ballon à une minute de la fin, 4 partout. Et on a des échanges musclés, on va s'engager. Il va falloir peut-être redescendre un peu en pression au niveau du jeu pour avoir un jeu plus clair, plus fluide. 50 secondes, est-ce que l'Espagne va prendre l'avantage avant la fin du repos? Ça serait psychologiquement important pour eux, ils ont essuyé une belle défaite hier. Bon, voilà, tout seul, c'est Alvaro, il a pu ajuster le tir. Loïs qui essaie de sortir le joueur espagnol en dehors du terrain. Nacho, 30 secondes, on regarde le chrono. Nacho, toujours pas, il insiste, ça va pas aller. Il va falloir transmettre la balle. Le ballon, toujours dans les mains espagnoles. Hop, c'est du bout des doigts qu'il a récupéré ça. Alvaro, 15 secondes. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont le mettre? Les Espagnols arrivent. France pour aller franchir la moitié du terrain, tirer. Voilà, c'est fait, Tristan. C'est marqué. Passage réussi, Loïs est passé derrière vers Alexis, Loïs, ça circule vite, Tristan, Alexis, Tristan à nouveau, Alexis pour Mathieu qui est marqué par la... Ah oui, la pénalité numéro 1. Qui tire et marque point supplémentaire, c'est le 6e, 6 à 4. Qui est fait, mais les Espagnols sont là. On va faire la remise en jeu. C'est parti en premier rideau, c'est bien fait, c'est boxé. Côté espagnol. Alors, on va se présenter en massage. C'est Josep, justement. Josep, on serre derrière, le ballon toujours au sol. On se présente de nouveau. Ouais, on met au milieu du jeu. Bon, finalement, c'est bon, c'est fait, c'est remonté. Bora, c'était un peu compliqué. Josep, Bora. Bora, balle en main. Il a Alvaro côté droit, il peut faire servir sur Joseph. C'est pas bien ajusté, le ballon qui a été encore mis au sol. Récupération. Joseph. Voilà, et la mouche est très très haute hein, ce coup-ci. On a mis la pression sur les premières passes espagnoles. Allez, on s'élance, on a franchi le milieu du terrain. Bora, il est tout seul. Allez. Intervention du corps. Alexis. Loïs à nouveau.
Voilà, la défense espagnole est bien revenue. Luis, voilà, repasse le ballon à Tristan. Tristan revient bien loin dans son camp. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Alexis pour Mathieu. Allez, nouvelle tentative française, mais le ballon a été perdu. Le premier sur le ballon, c'est la France, c'est Alexis. Non, ça marche pas. Et c'est remonté Joseph qui récupère pas mal de ballon pour l'Espagne. Et la porte. Peut-être un peu de sérénité. On va essayer de ne pas gaspiller cette balle, puisque maintenant il y a deux buts d'écart, toujours. Entre les deux formations, on attaque à droite. Et la réduction du score. Il est très fort. Hey, hein, les chevaux sont impatients un peu d'abord au Bruno. Joseph tout seul. C'est bien servi. Quel dommage côté. Espagnol en a récupéré là-bas. Un bras levé, un avantage en cours. Joseph, Alvaro, on lance bon, allez, c'est trop, ça passe au-dessus. Et c'est la France qui récupère, c'est Luis qui a récupéré ce ballon, voilà, il contre-attaque, Mathieu le tout seul. Alexis, Mathieu, là, l'Espagne est revenue très très vite, oh là là, attention. Alors, c'est le cheval qui va faire le tour, on a pris un temps mort. A priori, le joueur va bien puisqu'il court. Tire marque. C'est le 7e point, 7 à 5. Ça va partir, attention. Oh, speaker, ça y est. Le ballon est côté espagnol. Il faut avoir les yeux partout. C'est remonté Joseph. Et Joseph, il ramasse tout le ballon pour l'équipe espagnole en ce moment. On est avec Bruno. On va repousser. On va essayer de retrouver un peu de sérénité dans cette rencontre. Joseph. Bruno, toujours dans la main. Il cherche. Il est bien, tout seul, Bruno. Et la réduction de soir, 6 à 7. Allez, devant, il y a Alexis. Ça chauffe. Le ballon, il est dans les mains espagnoles. Ce sera changement de lanceur. Oui, on a l'autre boxé. Attention, toujours sorti des chevaux. Et le P3 pour l'équipe de France sur ce Nicolas, Alexis, Tristan. Alexis. Mathieu. S'approche Mathieu. Le tir est marqué. Entre ces deux formations, on le sent, c'est bien récupéré. Alvaro, tranquillement. Cette fois-ci, on joue à Hugo, hein, qui est remonté à cheval. Dani, qui a fait son entrée. On serre l'air. Alvaro, il n'a pas pu prendre le shoot. Alvaro, on ressort. La défense qui monte haut, qui vient mettre la pression. Bois, toujours. La passe dans les chaussettes, c'était pas ajusté. C'est récupéré par Alvaro, oui. Heureusement qu'il est souple Alvaro hein, pour aller chercher ses balles. Bruno, le ballon est passé. Le but, France, c'est parti. C'est récupéré par la France. Tristan à nouveau, Tristan pour Nicolas. Nicolas et Tristan. Intervention de l'arbitre. 5 buts à la fin. Bruno, il a mis les deux derniers buts, il sert son camarade. Jani. Pénalité de l'arrêt du chronomètre. Les tireurs d'élite, peut-être. Alvaro. Bruno. Ouah, on jongle avec la balle. 1 minute 20. Un petit but d'écart. Alors, est-ce que les Espagnols vont revenir au score? Alvaro, toujours pas l'endroit. Alvaro, fin de passe. Il va y aller tout seul, Alvaro, peut-être, il sert Bruno. Et l'égalisation pour l'Espagne. Joué par la France. 30 secondes.
Mathieu. Alexis. Il est de l'autre côté, le but. Tristan. Alors, le chrono, 2 secondes, il va falloir prendre un shoot, il va falloir prendre des responsabilités. Ouais, la grande défense côté français, c'est inventé, espagnol, ça joue vite. Et